Et nous voilà fin prêt. Toujours avec moi, Drac? Ouais, toujours là. Y a Chad. Et nous voilà fin Moon. prêt. Toujours avec moi, Drac? Oh là, attends, j'ai un petit problème technique. Ouais. C'est pénible de ne pas pouvoir pré-enregistrer les réglages. Hop, Chat dans l'eau, vous voulez nous rejoindre? Bah, pourquoi pas, hein? Je pense qu'il nous a déjà rejoint, non? Non, il n'a pas les permissions. Pour l'instant. Et moi non plus d'ailleurs pour le move. Ah, moi je Ah prends. voilà. Coucou chat dans l'eau. Coucou. Bah, si tu nous écoutes, je vais faire la présentation pour les gens qui suivent le live et puis pour les gens présents. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est sublimer ses créations. Donc ses créations sur Minecraft. En général, même dans les créations les plus belles et les plus grandioses qu'on peut être fait dans le jeu. Il y a quelques éléments qui sont rarement faits qui font que c'est pas des lieux à vivre. C'est plutôt des sculptures ou des œuvres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut faire un château magnifique, un château extrêmement grand, et bien souvent l'intérieur est vide. Ça, c'est une première étape, c'est de faire l'architecture intérieure. Oula, j'ai un petit problème. Je viens de perdre mes deux oreilles. Ah, c'est bon. Désolé. Ouais. Attention, Shadorl, on est en live. Fais attention au bruit que tu fais. Et donc, là, vous avez une dynmap du serveur qui est ouvert à tous et à toutes pour la construction. Et simplement à la visite, si vous avez envie de nous rejoindre ou simplement de regarder ce qu'on fait. Et donc, aujourd'hui, on a un îlot ici, un îlot haussmannien, 19e, 20e siècle. Et surtout, son implantation urbaine autour. Et on va peaufiner, voir les petits détails qui font que si quelqu'un visite, si quelqu'un se met dans l'immersion d'être une personne qui visite un véritable lieu, qu'est-ce qui casse l'immersion, qu'est-ce qu'on peut améliorer, les petits détails qu'on peut sublimer. Et donc je vais tout de suite passer en jeu. Et notre ami Drac et peut-être Shadorlo, s'il en a envie, vont aussi émettre des critiques et essayer de déterminer ce qui peut être amélioré. Donc voilà l'îlot en question. Et comme vous voyez, on a l'impression, enfin, c'est terminé en soi plastiquement, c'est terminé si on vole au-dessus, si on tourne. Globalement, il n'y a pas de, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de manquement. Voilà, je vous montre rapidement. On a différentes époques, on a des bâtiments art déco, on a quelque chose de plus 19e à haussmannien. On a aussi un bâtiment art nouveau, qui a été fait lors de précédents lives, qui était le premier bâtiment qu'on a implanté ici. Et voilà, d'autres bâtiments haussmanniens, et on revient au point de départ. Donc la majorité du bâti est 19e, c'est-à-dire 1900, 1800-1900, le 19e. Et on a quelques éléments comme l'Art Nouveau 1905, qui est le bâtiment Art Déco, qui sont du 20e, qui sont de 1900 à 2000, 20e siècle. On a déjà peaufiné quelques éléments. Drac nous a notamment proposé ce passage piéton. Et voilà, cette structure béton des années 80 qui a été rajoutée pour accéder à la cour intérieure. Et voyez, ici, on parlait d'immersion, de lieu à vivre, de finition. Ici, la finition est déjà globalement faite. On a les arrière-boutiques avec un transpalette, avec des palettes, avec un camion de livraison. Ne serait-ce que l'accès en béton qui a été rajouté par Drac qui fait partie de la finition. On a vraiment un lieu à vivre. Et ici, si vous passez là, voilà, les locaux ne sont pas encore remplis, mais au moins on peut s'imaginer qu'il y a une boutique, quoi. Il y a l'accès rue, la boutique ici et l'arrière-boutique juste là. Et c'est ça que j'appelle finir un lieu ou sublimer ses créations. Pareil, là, on a un petit parc qui est fermé par un mur, petit parc privatif et qui est partagé par plusieurs bâtiments. Vous voyez, ici, globalement, tout ceci est fini. Mais quelques éléments ne sont pas terminés. Par exemple, ici, dans celui-ci, on a un old immeuble 19e. Et voilà, ici, c'est pas fini. Ça ne sont pas finis, c'est complètement vide. Et justement, aujourd'hui, on va se tâcher de finir tout ça parce que c'est un point sur le serveur et la construction qui est souvent négligé. Et c'est ce qui fait souvent d'une création quelque chose de vraiment génial et sympathique à explorer. Et donc, c'est la thématique d'aujourd'hui. Oui, ici aussi, on a des zones qui sont à terminer.
Ça va beaucoup tourner autour des intérieurs, mais on va aussi, si on a les idées, voir un peu à l'extérieur. Mais ici, c'est trottoir nu, il n'y a pas beaucoup de terrasses, notamment il y a cette rue-là qui est complètement nue. Ça manque de véhicules, de choses, de buvettes ou de camions perdus dans les coins. Vous voyez, ici, on a un petit espace, on pourrait peut-être mettre un stand d'hot dog ou quelque chose de très minimaliste comme ça. Voilà, on fait le tour de l'îlot. Tandis qu'ici, on a Romain, notre modérateur urbaniste en chef, qui a, enfin, on l'a fait à deux, mais il a implanté un café. Voilà, un petit café parisien. Voilà, et ça, c'est un petit détail de finition, et surtout, ça donne de l'ambiance. C'est pas forcément de mettre un toilette, un lit ou une salle à manger dans chaque bâtiment. Si vous le faites, c'est bien. Mais si vous le faites pas, on peut comprendre. Tant qu'on peut, vous voyez, tant que c'est construit, qu'on peut, comme juste en face, ici, vous voyez, beaucoup d'appartements sont vides, mais on pourrait très facilement les meubler. Meubler partout, c'est pas exigé. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une ambiance. Et pour qu'il y ait une ambiance, voilà, des fois, ça passe par des petites choses qu'on pose dans l'espace public ou dans les espaces privés. Dans le bâtiment Art Nouveau, tout a été aménagé et tout donne une ambiance. Donc, au moins le hall est aménagé. Il donne, voilà, l'ambiance Art Nouveau avec beaucoup de matériaux, de la mosaïque. On en a parlé dans un précédent live de qu'est-ce que le style Art Nouveau. Voilà, un petit patio arrière, un petit jardinet. Et dans les étages, à chaque fois, normalement, je le fais en vol, mais voilà, on a aménagé les intérieurs. Des fois, c'est un peu exigu, c'est un peu scabreux. Des fois, c'est plus intéressant. Juste là, on a l'ascenseur qui va d'un étage à l'autre. Et à d'autres étages, voilà, là, on a mis une petite guitoune parce que c'est un cul-de-sac. Et juste là, voilà, un petit appartement très très modeste, mais aménagé. Et ça donne l'ambiance, tout ça. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment peaufiner tout ça. Je pensais commencer par ce bâtiment-là, mais Drac étant présent et Shadorlo aussi, on va faire en fonction des envies, sachant qu'il nous restera donc des escaliers, des cheminées à disposer, des planchers à placer, puis des cloisons et des murs porteurs pour que structurellement le bâtiment tienne la route. On parle encore du détail et de sublimation architecturale, c'est de montrer que ça puisse tenir debout. Donc des murs placés où il faut quand ils sont porteurs. Des cloisons là où elles sont utiles, c'est des murs qui ne portent pas, donc c'est des murs qui servent juste à disposer les pièces. Et ensuite, on verra sûrement par immeuble à faire une pièce décorée dans le style de l'époque et à émeubler. Donc tout sera habitable, tout sera globalement décoré et on fera une pièce un peu plus décorée et surtout un ameublement qui essaiera de coller à l'époque concernée du bâtiment, toujours pour sublimer et donner de l'ambiance et de l'immersion à ces créations. Il reste 7 bâtiments à terminer. Je les ai tous plus ou moins précommencés pour pas que ça soit trop compliqué pour vous. On va sûrement faire 3 d'époques un peu différentes. Et je voulais commencer, voilà, par ce bâtiment haussmannien que je dirais un petit peu des Pays de l'Est parce qu'il est à Paris, c'est très lisse, c'est de la pierre, c'est monochrome. Tandis que dans des pays de l'Est, on ose en Russie ou en Pologne, on ose des fois au 19e, à la même époque que Paris, faire des choses plus baroques, plus ostentatoires au niveau des couleurs. Et là, vous voyez, c'est pour ça qu'on a tout ce marbre, en tout cas ce stuc blanc ou ces éléments peints en blanc, mais ces éléments graphiques sur la façade. Et ça doit se retrouver à l'intérieur. Et tout de même qu'à l'intérieur, on ira un peu plus loin dans les dorures et les décorations. Donc, ça, c'est un bâtiment 19e. On va dire néo-éclectique ou néo-baroque. Donc ça s'inspire des palais un peu enchantés ou des palais européens du 17e, du 18e. C'est fait plus tardivement, c'est fait au 19e, ça s'en inspire. Donc ça sera un peu plus sobre, mais on pourra quand même se faire plaisir dans des textures et des couleurs un peu fofolles à l'intérieur. Je sais pas si Drac a une remarque ou une suggestion. Non, pas forcément. Ok. Bon, bah c'est parti. Ce bâtiment, j'ai peur de l'aménager, honnêtement, avec le tunnel à côté. Alors, sois rassuré, normalement j'ai déjà réglé le problème. Bon, évidemment, le tunnel est quelque chose qui a été rajouté dans les années 80 pour faire un accès en plus, vous voyez, en charcutant la façade. Mais ça, c'est petit détail réaliste C'est moi qui ai architecture. fait. C'est Drac qui l'a fait et c'est un petit détail qui est réaliste, qui implante le serveur dans un truc réaliste. Enfin, on essaie de faire de l'architecture et de l'urbanisme le plus crédible possible et c'est des choses qui ont existé, donc on s'est un peu mis une... c'est un peu imposé ça. Mais effectivement, comme c'est du rétropédalage que je fais l'intérieur après avoir bétonné la cage d'escalier, j'ai déterminé qu'elle était là. Ouais. Écran.
J'ai absolument rien compris, je suis Moi désolé. non plus, je Est-ce que tu t'adore. peux stream ton écran? Normalement, je suis en stream sur mon écran, ouais. Je suis sur le. Sur le. Il est. Le live est sur le. Sur la chaîne, hein. Ok, vas-y, Sur la tu veux dire chaîne. ton dessus. C'est sur la chaîne où être taf et c'est là. Toujours la même. Donc vous voyez ici pour le placement, là ce qui est représenté là, c'est les cheminées. Si on sort à l'extérieur, voilà, les cheminées sont placées ici. D'ailleurs, il faudra qu'on les ornemente. Bon, je peux le faire tout de suite parce que c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Hop, hop. J'avoue que le niveau extérieur, c'est assez bien décoré. Je pense qu'on pourrait vraiment rajouter. Bah, surtout sur les milieux urbains, des vélos, un petit stand hot dog, des micro-détails. Je ne sais pas le faire comme ça a été fait dans le quartier Amsterdam, mais c'est même des personnages et tout. Ah ouais, le quartier Amsterdam, il a été poncé, poncé. Mais je ne sais pas du Mais tout même là, comment. c'était sympa, ce qu'avait fait Rome, par exemple, le petit. La petite terrasse? Ouais, la petite terrasse rouge, là, j'adore. Elle est cool. Je l'avais pas vue l'autre fois, mais je la trouve très sympa. Moi, je vais me lancer dans cet escalier. Vous voyez, ici, j'ai décalé le mur parce qu'effectivement, il y a ce bétonnage moderne qui a eu lieu. Donc, il faudra qu'on trouve une solution ici. Là, on a vu de me laisser des murs pleins parce que c'est le mur porteur de la cheminée. Ça doit, hélas, aller jusqu'en bas ici. Mais cela dit, je ne suis pas obligé de. Voilà, je peux un peu bouger les choses pour l'ouverture. Et je pense que l'escalier, on pourrait tout à fait le mettre par ici. Je pense que ça va bien se passer. Et là, vous voyez, j'ai commencé à préciser comment j'avais envie de cloisonner les choses. Avec évidemment deux appartements de chaque côté. Enfin, un appartement de ce côté-ci, un appartement de ce Oh, côté-là. c'était ça la caserne de pompiers en bataillon brutalisme. Et J'avais un pas grand espèce. visité encore. J'avais pas encore vu? Ouais, c'est vrai qu'elle est juste en face. Non. Mais elle est pas. T'as tenté des trucs avec les murettes, c'est que si quelqu'un pose un seul muret, c'est détruit tout. Oui, mais j'ai C'est confiance. récurrent. Hein. Il n'y a pas de gens méchants sur le serveur. Oui. Mais bon, les gaffes, c'est vite arrivé. Pas faux. C'est pour ça, il faut que tu. Sauve-toi, Drac. Éloigne-toi, c'est dangereux. Non mais pourquoi j'ai une épée dans ma main, à ton avis? C'est que sur Bedrock, quand t'as une épée dans la main, tu peux pas poser de bloc et ni casser. Cool, ça. Voilà. Voilà pourquoi j'ai tout le temps une épée dans la main, en fait. Surtout sur Portable, c'est encore plus vite arrivé. Voilà pourquoi. L'épée, c'est comme si j'étais en grade visiteur, si tu veux. Ah, j'avoue que le bâtiment Art Nouveau, il est vachement cool. Merci. Tout, il est tellement over détaillé par rapport au reste, mais ça choque pas vu les temps de couleur. Je vois pas ce qu'on pourrait rajouter honnêtement parce que. On est plutôt près des trottoirs. Surtout au niveau de l'immeuble Art Déco, par exemple. Salut Ibrahim, on est en live sur Minecraft pour ceux qui nous rejoignent. Et aujourd'hui, on voit comment sublimer ces constructions, c'est-à-dire qu'on a déjà une zone finie. Voilà, un îlot. Un îlot, c'est un ensemble de pâtés de maison. C'est un pâté de maison en français plus vulgaire. Un îlot qui a été construit entre le 19e et le 20e siècle. Donc sur le serveur, on est très réaliste et on essaie de faire de l'architecture et de l'urbanisme crédible. Et aujourd'hui, on voit comment, ouais, c'est assez. Totalement terminé à l'extérieur, mais on va trouver des petits détails pour que vraiment les gens qui se baladent soient dans l'immersion totale et sublimer un peu ce qu'on a construit. Et l'extérieur, on va essayer de voir pour mettre des aménagements sur le bord des routes, notamment cette ruelle-là qui est un petit peu vide.
Et ici, on doit aussi terminer la plupart des intérieurs. Enfin, non, la plupart, j'exagère, puisque la plupart des intérieurs ont été faits. Si quelqu'un se promène, vous voyez ce bâtiment ici, Art Nouveau, je vous le montre rapidement. D'ailleurs, la vidéo du tutoriel est disponible sur la chaîne. Et là, on a, L'art voilà, déco aussi, Art très Nouveau. L'Art Déco aussi est sympa. Celui-là, c'est l'Art Nouveau. Ouais. L'Art Déco, j'ai pas les lives sur la chaîne. Ils sont pas restés. Mais ici, vous pouvez regarder comment ça a été fait. Et voilà, les intérieurs ont été décorés. Et on doit. L'art déco, on avait fait les façades et tout. Voilà, et l'Art Déco que parle Drac, c'est ce bâtiment juste ici qui est beaucoup plus vaste. Ouais, avec la flèche, Et lui, il plein est de détails hyper super. entièrement visitable. Si vous venez sur le serveur, vous pouvez le visiter. Il n'y a pas de plancher qui manque. Il n'y a qu'une ou deux pièces qui sont aménagées. Mais globalement, il est terminé. Et voilà, il est sublimé. C'est-à-dire que si Et quelqu'un est surtout à très fan. l'extérieur, il y a un petit détail, il y a l'arrière-boutique avec un tunnel qui permet de sortir. Ça c'est le petit détail. Ouais, j'en parlais en On début de live. avait hésité à le faire hein, quand même. Mais je me suis dit, allez, on va le faire. Finalement, ça rend bien. Là, ici, on a des intérieurs un petit peu art déco qui ont été refaits. Et la cour intérieure, effectivement, elle est. Ouais, des escaliers de service. Enfin, c'est vraiment peaufiné, peaufiné. C'est ça qu'on aime. C'est ce qu'on essaie de mettre en avant sur le serveur, c'est que si vous faites des bâtiments où vous vous en joignez, mieux vaut voir petit et bien terminé que trop grand et un peu coquille vide. Voilà, et à l'intérieur, on a la cour intérieure qui est partagée entre des jardins de plaisance, le jardin Art Nouveau, de la maison Art Nouveau, là c'est l'arrière de la maison Art Nouveau. Et ici, voilà, on a un petit préau années 50 pour acheminer par camionnette les marchands. Si vous voulez visiter, si vous voulez rejoindre le serveur, tous les liens sont dans la description. Notre Discord est aussi un lieu assez sympathique pour échanger. Et là, on a ce bâtiment 19e, comme à l'époque de Paris, hein, style haussmannien. Mais plus dans une. Voilà, ici, c'est de l'haussmannien pur, c'est assez lisse. Je dirais même que ce bâtiment-là, celui-ci, ici, et ceux-ci sont beaucoup plus haussmanniens. Et là, on a quelque chose de plus, un peu plus foufou, un peu plus coloré, plus propre au pays de l'Est, la Pologne, la Russie. Et du coup, on va s'atteler à faire des intérieurs qui pourront être du coup un peu plus baroques, néo-baroques du coup, parce que c'est fait dans les années. On n'a toujours pas fait de baroque en architecture, vraiment baroque pour le coup. Un petit peu dans le château d'Agrément. Ah oui, le château, oui, je vois lequel tu parles. Un petit peu parce que c'est pas son genre de prédilection. La dépendance du château médiéval, c'est ça? C'est ça. L'espèce de manoir. Ouais, je vois où c'est. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté baroque à cet endroit, ouais. Et là, on aménage très rapidement un escalier. On essaie de faire correspondre les paliers avec les étages. Et bien essayer. Hop. Oui, puisque l'étage est ici, donc il va falloir qu'on arrive là à la fin. Ah, et je crois qu'on tombe juste. Ça, c'est plutôt cool. C'est dingue de se balader sur le serveur, de tomber sur le plot du concours building complètement vide. Ah, j'ai fait tout ça déjà. Ça, c'est ouf. Et choisis bien ses emplacements, Etrotard. On voit qu'il est architecte. C'est ça. Ouais. En même temps, cet emplacement, faut dire ce qui est, c'était pas simple à la base, hein. D'ailleurs, c'est toujours pas simple. On Ce voyait que ici. je trouve dommage, par contre, avec le concours, c'est qu'il n'y a pas autant de. Il n'y a pas autant de participants que ce qu'on pensait au départ. Je pense que c'est un peu trop difficile aussi et peut-être qu'on manque de com. Et puis, enfin, faudrait qu'on revoie. On va en parler avec Etrotime et comment on fait la com et la publicité du serveur, ça devient un vrai problème. Peut-être que Oui, Minecraft a d'autant aussi plus une qu'on décroissance, avait mais. refait un Instagram et pendant le moment où on a lancé le concours, on n'a rien dit sur Instagram et on n'a rien dit sur Facebook du serveur aussi, donc c'est vrai que c'est dommage. Et puis il y a des personnes qui disaient qu'elles viendraient par YouTube qui sont pas venues. Donc Bon, on fera le point, c'est mais. dommage, hein, ça. Pour l'instant, ça va être un grand fight entre moi et Flo, a priori. Ouais, c'est ça.
Mais par contre, vos créations sont vraiment incroyables. Ouais. Je pense qu'on a Après, perdu en pédagogie, mais on a gagné en qualité de concours. C'est-à-dire plus un concours de... Je vais pas dire d'expert, mais... Ah, pour l'instant, on est parti sur une battle entre moi et Flo qui va gagner, quoi. Bonsoir, monsieur Genix, ou Zozo, je ne sais que dire. On va bien, c'est gentil de nous demander. Et toi, comment vas-tu? Drac, veux-tu m'aider sur le lieu? Parce que comme ça, on pourrait parler de choses que les viewers voient. J'arrive. Oh, attends. CHTP. Hop. Alors. Wow. Tu Bon, vas ça vite, va. hein. C'était pas là il y a 5 minutes. Ah bah non, ouais, Et on carbure, hein. tu vas bien plus vite que moi. Moi, il faut 20 minutes pour réfléchir à faire une cage d'escalier comme ça, tu vois. Ah, c'est parce que t'as pas Bah, vu tu les vérifies su... si ça fonctionne déjà, la cage d'escalier. C'est pas faux. C'est T'as parce que des paliers. t'as pas vu les Ouais, super ça marche. tutos des trottas, c'est pour ça. Ah, c'est bien sûr que je les ai vus. C'est pour ça que je dis, vérifions si ça marche. Est-ce que tu mettrais pas une colonne au milieu pour empêcher les gens de tomber ou des barrières? Et tout à fait. Et maintenant que tu es là, est-ce qu'on peut vous trouver une colonne très très pimp pour le côté baroque justement? Du quartz pilar ou un type de grès, genre grès sculpté, à voir, parce que je crois que la texture vanilla n'est pas la même. Attends, j'ai cherché un bloc moi-même. Là, vous voyez, sur ce Sans... bâtiment 19e, on part sur un côté très baroque. Très éclectique, c'est-à-dire très graphique, très sans... la belle au bois, la belle et la bête. Donc il y aura sûrement des Sans... dorures et puis des stucs en plâtre qu'on symbolise par tout ce marbre en fait. Sandstone. Des colonnes cannelées comme ici et on restera quand même quelques murs lisses en sandstone à des endroits. Ah non, la smooth est là. Ouais, c'est pas ce que je voulais. C'est pas des textures très jolies, on va dire. Trouver ce qui mélange bien. J'ai mis du granit aussi, parce que je trouvais que les tons rosés pouvaient vraiment faire un côté Le détonnant pour les granit, oui, intérieurs. ouais. Le granit, oui, pourquoi pas. Polichet granit, trop carrelage. Hein, je sais que t'aimes pas trop les blocs qui ressemblent à du carrelage. Bah en soi, si c'est pour un sol, ça me dérange pas du tout. Ça peut être très sympa pour les cuisines, hein, ou pour les zones de salle à Ouais. manger. Sauf que là, on parle de colonne, pas vraiment de sol. Petite question. C'est quoi les blocs qui sont derrière là? Je ne sais pas du tout. Oui, il fait combien de large au Chut! carré? Cage d'escalier que Drac a. Ouais, c'est pas un mauvais matériau. Peut-être quand on aura. Mettre des nuances avec autre chose, mais on verra ça plus tard. Coucou Ouais, Chara, pour oui, l'instant, ça va. je fais un gros pilier. Je montre un peu pour les gens qui nous rejoignent. Ouais, c'est un îlot urbain sur le serveur de Nuasia où on est très axé réalisme, architecture, urbanisme. En fait, on utilise Minecraft comme un outil assez. Architecture entre le 17e et le 20e, pour le coup. Oui, pour être plus précis, effectivement. On a un exemple d'art nouveau, de l'haussmannien, peut-être un peu style Chicago américain, très lisse. Un bâtiment d'art nouveau, là juste devant. D'art déco, pardon, des années 30. Voilà, très massif, entièrement terminé, lui, on pourra le revisiter tout à l'heure. Encore de l'haussmannien. Là, on a quelque chose de plus trapu, de plus carré, plutôt 17e, 18e. Donc on sera aussi plus dans les intérieurs qui seront vraiment un peu plus château. De nouveau de l'haussmannien, encore de l'haussmannien. Et ici un haussmannien un peu style, je dirais, de pays de l'Est, Russie, Pologne, Ukraine, où ils osent des façades plus graphiques, plus colorées, à cette époque-là, déjà au 19e. Et donc dedans, ça va être assez rococo, assez baroque, assez pimp, quoi. Style rococo. Ah, c'est longtemps que j'ai pas entendu. Bah, baroque, rococo, je confonds toujours, mais c'est des sous-courants du 18e, je crois, sur les décorations de château. Mais voilà, c'est la belle et la bête, hein, c'est beaucoup de dorures, des choses très organiques, très très chargées. Le Ouais, baroque, je dirais que c'est j'ai avant, et le étudié rococo, c'est après.
J'ai étudié une statue baroque en cours de français il n'y a pas longtemps. Mais les C'est vrai deux, que c'est dans beaucoup l'idée, c'est de... très chargé, quoi. C'est très organique, très chargé, etc. Faudra que tu vois si tu fais la liaison avec le toit pour le pilier porteur de l'escalier. Oh, je pense qu'on peut aller juste. Ah oh, non, sinon, on fait un lobby ouvert tout en haut, ça peut être très joli. On le fait pas, Ouais, tu tu mets mets comme un. tu veux, je pose comme ça, mais... Nous utilisons le flow pack du avec serveur. Cette fois-ci, Alors, voilà. le Flow Flac 1.16 version test. Oh, C'est très cool. ça. Voilà. C'est un pack qui existe sur Internet, qui est plutôt mis à jour, mais nous, il continue d'être mis à jour sur le serveur. Oui, Et par c'est les. Yorkies. D'ailleurs, il a son homologue Bedrock fait par mes soins aussi. Pour Ok. ceux qui veulent. Super. Bah écoute, moi je suis bien lancé. Je vais peut-être faire le volume tout en haut. Ah oui, ok, t'as fait ça. Ah, remarque, ça peut tenir la toiture. Hein. Oui, ici la cage Ouais, c'est ce que je d'escalier. disais. On l'a fait massive. Alors, Zozo, combien de kilomètres carrés fait la ville? La meilleure façon de répondre à ta question, et je vous invite tous à le faire. Sur la description, vous avez un lien sur la Dyn Map. Et depuis n'importe quel navigateur, normalement, vous devriez pouvoir y accéder. Croisez les doigts parce que des fois on a des problèmes de compatibilité avec 36 certains. kilomètres carrés. Ça doit faire 36 4. kilomètres carrés. Tant que ça? Parce qu'elle fait 6 km de côté la Dyn Map. Enfin, les bords de la map World Border. Ouais, et ben je dirais qu'on Donc, peut dire faut quand même diviser par 3 pour la surface de ville, non? Parce qu'il y a les océans et tout. ah oui. Oui, on peut diviser par 3, sans compter les terrains vagues non encore construits. Enfin, en prenant compte que toutes les banlieues sont faites, oui, on peut diviser par 3, donc on serait sur 18 ou 12, hein, un truc comme ça. Oui, 12, par là. Ah, la version Bedrock, où est-ce qu'il peut la trouver, Zozo, nous demande. Alors, sur le Discord, tu as un lien Mediafire, sinon dans la vidéo du concours, tu peux trouver ce lien également. Ce sera indiqué version Java et Bedrock, que les deux versions sont sur le même Mediafire. Donc sur la chaîne, Ce tu veux sera... dire, ou sur le Discord? Sur la chaîne, sur la vidéo du concours. Du concours C'est un lien immeuble. dans la description. Dans la description, ouais. Sinon, il faut aller sur le Discord et dans Pack, il y a le lien. Pas la commande Pack, je précise, le channel Pack. Faut remonter un petit peu, mais voilà. Parce que la commande Pack donne l'ancien Pack qui n'est pas à jour et qui n'est pas sur Bedrock. Voilà, petite info. Ok. Ça fait plusieurs mois que je demande que Itrotam mette à jour la commande, mais il ne le fait pas, donc... Le vilain. L'entretien d'un serveur avec ça, c'est vrai que c'est un travail à plein temps. Ouais, pour le Discord surtout, il y a beaucoup d'options, etc. Sans compter les bots. Trop compliqué, Discord, je trouve. Pas tant que ça. J'ai un serveur aussi, mais... J'ai deux serveurs. Il y a un serveur où je suis modérateur et un serveur où je suis cofondateur. Et pareil, il faut que je fasse la gestion des bots, etc. Des commandes que je mette à jour. J'ai mon propre pack de textures. Enfin, je dis pack de pack parce que, en gros, c'est plusieurs packs de textures agglomérées en un seul qui s'appelle le Drakeus. Ok. Je devrais pas faire ma pub, hein, mais le pack est aussi disponible dans le Mediafire si vous voulez. Pour Bedrock seulement, par contre. C'est un petit pack visuel que vous pouvez mettre en complément du pack du serveur qui marche très très bien et qui est très joli. Voilà. Il change quoi ce pack-là? Ça me dérange pas que tu fasses un peu de pub, après tout, c'est Tu vois distribué sur mes screens, gratuitement. t'as vu les nuages custom, D'accord? que t'as vu sur mes screens, par exemple, tout à l'heure, bah c'est ça, c'est mon pack Drakeus. Ah, il Ok. modifie aussi le menu du jeu, les interfaces utilisateurs, etc. Ok. Enfin, il modifie plein de petites choses, mais c'est surtout des effets visuels. Et il est complémentaire d'autres packs de textures.
Donc on peut jouer en survie sans aucune incidence ou en créatif. Voilà. Moi je le mets en complément du pack de semble sur Bedrock en tout cas, donc voilà. Ok. Je te prends en flagrant délit de ne pas poser des cubes, non c'est pas grave, mais il faudrait qu'on peaufine la zone où tu es, Drac. Ah, vous voyez là on monte l'escalier, je m'aligne à chaque fois sur les sur l'endroit où je vais arriver sur les étages. Alors, excuse-moi, je répondais à un message. Oui. Ah oui, je pose pas de cube, je sais pas trop où je vais là. Ça marche, pas de souci. Toi tu vas hyper vite, tu montes les murs. Hein. Je suis en mode, mais qu'est-ce que je vais faire moi en fait dans l'histoire? Désolé. Ah! Ah, let's the game, t'as eu un petit crash, je crois. Ouais, ça m'arrive. Hop, Ah t'es oui, revenu. ici en effet, il y a le mur en béton qui apparaît. Y a de lumière. Ah oui, en parlant de lumière. Ça, on va l'enlever, on va faire un placard à balai. On manque toujours de placard à balai. Mais là, ce que je fais structurellement, c'est que je suis en train de monter la cage d'escalier au-dessus de la toiture. Oui. Cette zone-là, elle n'est pas si intéressante que ça. Lock of Quartz. Oh, je me suis trompé de touche, super. Le pire, c'est que mon jeu est en 1.17 là actuellement. Donc j'ai des blocs, si je les pose, ça fait peut-être crasher le serveur en fait. Ah, c'est pour ça que je suis déconnecté. Tu crois que ça peut être ça? Mais non, j'ai rien posé. Je suis désolé pour les problèmes techniques. Non. Angel a corrigé les problèmes du serveur. Après que Rome ait voulu changer les biomes et que le serveur n'a pas redémarré derrière. Donc Angel a corrigé les problèmes et la Bedrock, on ne pouvait plus se connecter. Donc Angel a corrigé ça, et puis le matin, je me suis réveillé un peu tôt, donc j'ai décidé de me connecter vite fait pour voir si tout était bon, que j'avais tout retrouvé et tout. Je me connecte, enfin j'essaie de me connecter en 1.16.200 comme d'habitude, et puis là il me fait « Ah non, ça marche pas, faut être en 1.17 », je sais qu'est-ce que c'est que ce délire, le serveur est toujours en 1.16 normalement. Et il se trouve qu'en 1.17, Geyser a fonctionné, que je me connecte, et je vois que j'ai tous les blocs 1.17, mais pas vous, si je les pose. Il pourrait y avoir des problèmes. Voilà. Ça peut faire cracher le serveur, tu crois? Donc, on va éviter. Donc là, on profite de cette cage d'escalier. C'est quoi que et... je voulais déjà? Ah oui, des portes. Vous voulez des portes et faire un placard à balai. On profite de l'espacement pour faire une grande verrière. Tour. Voilà. Ah, t'aimes bien les verrières. Voilà un petit placard à balai. En vrai, t'en dirais juste à l'ascenseur, ça me donne envie de rentrer dedans. C'est horrible. Un petit test, je me demande ce qui se passe. Ah, je pense avoir des frises. C'est un gros placard quand même. Alors, ton test est passé, tu n'as pas left the game encore. Non, mais... Oh, problème de lag, malheureusement. Même si franchement ça n'a aucun sens, alors on va. Bedrock, ce sera 1.17.11 maintenant.
là, Ah oui, sympa la petite verrière. Ouais, Mais pour attends. elle. Ah. Suis pas sûr qu'elle soit bien placée, mais au moins, bien amusé à le faire. J'essaie de faire en sorte que les gouttières se rejoignent. Je suis vraiment désolé, Tu Jussiba. comptes faire quoi des combles? Des quoi? Des combles? Une échelle pour y Des chambres de accéder bonne, je peut-être? pense. Normalement, il y a un accès, hein, mais ça sera juste des chambres de... Ouais, des vieilles chambres de bonne. Alors désolé pour le bug, je vais essayer de régler ça, je comprends pas pourquoi on a des problèmes de... Regardez si c'est peut-être ma carte réseau, mais je pense pas. Alors, les versions du serveur. Normalement, j'ai vraiment un énorme problème de latence. Nous sommes en 1.16.5 pour la version Java et le serveur cross-platform. Donc, pour la version Bedrock, c'est 1.17. 1.17.11. 11. Mais attention, pas utiliser les blocs de cette version. Pour l'instant, vu qu'on ne sait pas ce que ça fait. Qu'en fait, le serveur Java a une mise à jour de. Une mise à jour derrière, donc ça peut être dangereux. Et ici, ce qu'on va faire, c'est des choses crénelées pour faire encore plus baroque, encore quelques références à l'ancien temps. On va pas se risquer de faire quelque chose de très 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 très, très texturé. Normalement, pour la version Bedrock, il suffit simplement d'inscrire l'IP que j'ai rajouté sur la description de ce live. archi-du6ludique.fr. Et normalement, ça devrait Archi être... ludique et il faut pas changer le port. Le port de base donné par le jeu quand vous connectez un serveur, faut pas le modifier, c'est le même. Ok. C'est 1.9.1.3.2 Et le ludique avec port. un K. Oui, ludique avec un K. Puis après pour le nom du serveur, vous mettez ce que vous voulez, vu que bon sur Bedrock, il y a une option pour nommer le serveur. Moi, j'ai mis New Asia, par exemple. Ça permet de le retrouver. Vais peut-être avoir un grade responsable Bedrock un jour. Cyrano, je fais en quel bloc la petite terrasse là? Ah, pour le sol? Oui, la petite terrasse avec vous sur la cour. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme autre matériau à côté? Ici, les balcons, ils Et sont cette simplement zone. en sandstone lisse. En slab ou en Moi j'aurais sandstone lisse? pensé. J'aurais fait en quoi, toi? De la smooth stone ou est-ce que ça passe plutôt bien, tout simplement. Ok. Ouais, en smooth stone, ça me paraît bien. Ah, par contre, faut que je me mette à la bonne hauteur. Non, ça va pas fonctionner comme je veux. Tac, oula, j'ai failli faire une bêtise.
Ouh là, j'ai failli faire une bêtise. Une grosse bêtise? J'ai failli poser une bougie. Et je parlais pas d'une torche, d'une bougie de 1.17 là. Alors, slash fill smooth stone. Mais je peux les placer aussi, les bougies. Ouais, mais ça s'appelle pas candle, toi, par hasard. Si. Ah. Est-ce que le serveur serait pas passé en 1.17 par inadvertance? Bah Ça là, serait très drôle. là il y a des... Si, candle, j'en ai déjà posé. Ah non, peut-être pas. Non, t'as raison. C'est parce que les six pickles ont une texture de... Oui, voilà, les sea pickles, c'est de ça, ouais, voilà. voyez ici, finition toujours. J'ai mis des petits trucs qui servaient à décorer mais qui n'ont aucun sens. Donc je les enlève. C'est Stone, vraiment ridicule. 25, 25, 25, 25. 25. Oh. My bad. J'enlève ça dans 2 secondes. C'est de ma faute. Le serveur est vraiment ouvert à tout le monde. Si vous voulez nous rejoindre, bah, voyez, ici on a un cuboïde. Non, c'est un cuboïde, c'est un grand rectangle de pierre. C'est des zones à prendre. Ça, généralement, il y a même une ligne de couleur de laine ou de blocs de couleur autour. C'est des parcelles qui sont disponibles. Et si vous vous baladez en tant que visiteur, vous n'aurez pas les droits de construire. Mais vous pouvez prendre des photos des parcelles qui vous plaisent, les montrer sur notre Discord ou en parler à un modérateur en jeu. Et on vous donne les droits de devenir apprenti pour construire à un endroit. Et puis, soit vous envoyez des images que vous avez fait avant, soit vous construisez directement sur le serveur. Et si on valide que voilà, vous savez que vous savez construire, que vous arrivez surtout à vous implémenter dans les quartiers, à comprendre les règles de Ah. l'architecture et de l'urbanisme, on est là aussi pour vous les apprendre. Vous avez aussi le grade constructeur par la suite. Voilà qui est mieux. Grade architecte, Cyrano. C'est pas constructeur au début? Apprenti? Ar Architecte? apprenti architecte et Ok. urbaniste après. Donc il n'y a plus constructeur. Mais bon, c'est la même Et idée. ensuite, c'est bah c'est ça dépend de voilà, ça dépend de plein de choses. On peut devenir VIP si on participe à un concours ou si on a grandement aidé au serveur. Être ambassadeur si on est sur un autre serveur connu. Enfin bref, voilà. Là, les C'est amis, compliqué. on Après. va avoir un élément change de détail et d'ambiance. Ici, on a un autre bâtiment mitoyen. Vous voyez, ce mur aveugle, en fait, tient la cage d'escalier. Kappa. Mettre du verre dans la cage d'escalier. Oh. Alors, on pourrait. S'il te plaît. Tu veux? Oh oui. Alors, À moins que tu veuilles mettre un mur végétal, mais Ben, j'ai un ça va faire très compromis. bien aussi. Ici, je veux bien qu'on vitre. Mais si on vitre là, les gens qui iront sur le balcon vont être vraiment des sujets de zoo par rapport à... Parce que c'est pas le même bâtiment. Hein. Ici et là, ce n'est pas le même bâtiment. Donc c'est pas les mêmes usagers. Donc ils auront... Après, ils vont pas trop aimer qu'on voit chez eux. Mais à cette hauteur-là, ça devrait être beaucoup moins problématique. Ouais, enfin bon, c'est moins intéressant, donc partons plus sur un mur végétal, valeur sûre. Ou une jardinière, oui, très bien. Avec une plante Ou grimpante avec un peu une plante 19e. grimpante. Oh, en même temps, on l'a dit. Excellent. Qu'est-ce qu'on fait pour la plante grimpante? On met quoi? Des bambous, mais on les limite en mettant un bloc par-dessus invisible, genre string ou barrière bloc. Ouais, mais les bambous, c'est peut-être pas assez 19e, non? Sinon, du lierre tout simplement, mais pareil, faut le limiter. Faut mettre des trucs devant et sur les côtés pour empêcher que ça parte partout. C'est ça le lierre? Oui, exactement. Mais on n'a pas vraiment de bloc enfin de plantes grimpantes cool sur le serveur. Le lierre est pas très. Enfin, tu vois, on voit que c'est des blocs, hein. On voit bien les limites, hein. Je sais pas toi, mais. Non, je suis assez d'accord. Mettre ça pour mettre un peu de couleur et puis mettre deux trois blocs comme ça. Oui, quelques feuilles.
On prolonge vers le haut la fenêtre en fait, c'est pas vraiment, c'est pas une bonne idée en fait du coup. Si on peut pas la prolonger jusqu'en bas par Ouais, souci de vis-à-vis, on va faire autrement. on peut laisser une toute petite fenêtre quand même pour mettre de la lumière Ouais. dans le. Moi, faut que je vérifie si mes collègues me disent pas de d'aller les rejoindre sur leur propre live. Mais bon, je crois qu'ils n'ont pas commencé pour l'instant. Voilà, une belle petite zone d'ambiance. Ouais, Ici, on on peut rajouter aménagera quelques sièges. plus tard, ouais, un petit salon de thé ou un truc comme ça un peu marrant. Oh, il y a plein d'ambiance dans ce quartier en fait, c'est assez ouf. Cette cour, c'est vraiment ma préférée en fait, de toutes celles qu'on a pu faire Le dans les serveur. îlots haussmanniens, etc. D'ailleurs, tu sais l'énorme place haussmannienne avec plein d'îlots que tu as fait autour? Je te propose une idée comme ça, mais une tour de l'horloge en mode haussmannien au milieu, ce serait, enfin pas au milieu, mais sur un des bâtiments latéraux, ce serait sympa. Ouais, pourquoi pas? Tu parles du grand rond-point où il y a beaucoup de bâtiments haussmanniens ou. L'énorme rond-point où tu as fait plein de bâtiments haussmanniens, à moitié en diagonale en plus autour. Oui, tout à fait. C'est à cet endroit-là que je voulais absolument faire une tour de l'horloge. D'ailleurs, tu m'avais proposé de venir t'aider à cet endroit-là, à une époque. Écoute, il y a le Mais ça s'est pas fait pour manque de bâtiment, temps. il y a le bâtiment abandonné de Mi, qui est juste à côté, que je voulais peut-être reprendre un jour. J'ai plus qui l'a fait, mais il y a une tour qui est abandonnée depuis longtemps dans le quartier haussmannien. Si on Mais ouais, refait tout. j'aimerais bien qu'on y fasse une tour de l'horloge dans cette zone avec le rond-point. Ça passerait trop bien. En mode haussmannien, je pense que c'est faisable. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, pour les gens qui nous regardent, je vais leur montrer, ça sera plus intéressant. Hop, normalement. Et je vous montre ça. Je prends une petite seconde pour paramétrer les choses. Le quartier historique est juste là. D'ailleurs, c'est pas si loin d'ici, hein. Je vais peut-être y aller directement au jeu. Ouais, on va faire ça, on va y aller directement au jeu. Hop. Donc ici, on quitte ce petit îlot haussmannien. Et on se rapproche de la zone dont on parlait, Drac. Ouais, faut qu'on voit où on peut la faire, peut-être. Ça sera un plan futur, mais ouais, on peut en parler très rapidement là. Ouais, ça c'est pas d'autres îlots haussmanniens qui ont été faits par le passé. Tu y es là ou pas? Ouais, j'y suis, j'approche. Et Drac parle justement de ces bâtiments-là haussmanniens que j'ai fait il y a un petit temps, mais que je n'ai jamais terminé. Voilà. C'est une zone aussi qui sera sublimée à finir un jour. Oh, j'arrive pas à aller plus vite. Ah, quand même. Ouais, des petites zones comme ça, haussmanniennes différentes. Ça, c'est ce qui a été fait précédemment, ça, c'est ce que j'ai rajouté. Et ouais, c'est absolument pas aménagé. Mais au moins, ça conceptualise la zone. Notamment, j'ai mis ce bâtiment troll là. Donc ouais, le rond-point. Alors la tour de l'horloge, en vrai, comme il y a beaucoup d'îlots aménagés, c'est cette zone-là où il faudra la faire, là. J'arrive, À je pense l'endroit où voir. je suis. Oui, ici aussi j'ai fait un bâtiment en diagonale de 2 parce que c'est À important l'endroit où il y a l'angle, là où je suis, là, c'est là qu'il faudra peut-être la faire. pour casser Il y a l'aspect par cubique bien du jeu. haut. Ouais, juste en face du Il y a par passage, bien ça haut. serait assez logique. Il y a par bien haut parce que là, en plus, c'est plutôt stratégique. Crois qu'il y a un Nantis qui te pose des questions. Qu'on arrive dans le quartier, qu'est-ce qu'il me dit? Il est retourné à Fessant? Il demande si c'est toi qui avais fait le gros bâtiment orange. Ah non, je pense qu'il. Non. Oui, c'est à toi qui parle, c'est le bâtiment brutalisme Bah, c'était à qui moi qui parle. parlais, mais il ne le savait pas. Parce que tu vois, après, si pour niveau de l'ambiance et puis de raccorder les choses, on pourrait aligner cette tour de l'horloge face à ce passage-là que je trouve assez marrant.
Alors, c'est vrai qu'on est vraiment pas loin du quartier médiéval en fait, je savais même pas que c'était à côté. Décidément, il y a vraiment des avions et des hélicos qui traînent partout. Ça doit faire un de ces bruits. Pas très réaliste, mais... Celui-là, à mon avis, s'est pris un BE-Melt. Ouais, il s'était carrément pris un BE-Melt ou un BE-Sphère dans la tête. Ça, lequel? Un avion de. Un des avions qui a été posé, qui a été passé. Il a été fait par Ghost, à mon avis. À mon avis, il s'est pris un BE-Melt dans la Ah figure. oui. Non, je pense qu'il l'a fait exprès en mode il se fait attaquer, tu vois. Ah oui, enfin, on est au-dessus du Wesia en plein centre médiéval. Disons que niveau sécurité, on avait mieux. Il y en a un autre à côté, il en a fait plein. Ou alors, c'est pas lui qui les a fait, je sais pas, mais il me semble qu'il en avait fait un tas. Bon, on devrait retourner à nos moutons, hein, mais sinon, effectivement, je suis à fond pour cette idée, Drac, de faire ici une tour de l'horloge. Ouais, en mode Big Ben, tu vois, mais plus en mode parisien, quoi, avec Enfin, je pense à celle des de Rouen. échauguettes, etc. TP. Hop. Je pense à celle de Rouen. Bon, pour nos viewers, retournons. Ah non, zut. Bon, je vais retourner à l'ancienne. Est-ce que j'ai un. Faut vraiment que je me fasse un home dans le quartier ouspanien. Je m'y perds à chaque fois. C'est le quartier où je me perds le plus, je crois. Pourtant, c'est l'un des plus simples à avoir, mais je me perds tout le temps dans le quartier ouspanien. Une petite balade pour les gens qui nous suivent. Coucou à Nantes. Bon, Faire là. coucou dans le chat. Non, non, il est sur le live. Oui, justement, dans le chat du live. Vous voyez, je vous montre un peu d'autres zones du serveur, un peu 17e, des châteaux privatifs, des choses un peu rococo. Ici, on a un bel intérieur de château, d'ailleurs, on pourrait s'en inspirer. Mais j'en suis assez fier. Ça peut donner. Ah, d'ailleurs, ici, j'ai fait une petite erreur que je vais corriger tout. Ça me fait ce bug là. Ah non, oui, effectivement. Ah, j'ai toujours ce problème de latence. Ça va, hop, comme par magie. Vous voyez, on a une petite ouverture ici, et une fois que je fais ça, elle n'a plus lieu. Je joue aussi sur les mises à jour de blocs pour éviter les problèmes sur le serveur et les petites formations. Voilà, ici, on a ce coup, cette chose très rococo, très baroque, avec des chandeliers, etc. Enfin le Discord là. Ah, encore la même chose ici. Vous voyez, on croit qu'on a fini un bâtiment, on revient et on trouve les petits défauts là. Ça, c'est le problème de mise à jour de blocs. Voilà, on a ici des zones comme ça avec la cheminée, etc. Mais un bâtiment que j'aime pas mal, effectivement, les poutres, je trouve qu'il est vraiment bien, bien Il y a 17e. le théâtre qu'on avait fait ensemble aussi d'ailleurs avec Etrota, qui était très cool. Ah oui, celui qui est de la Renaissance. La Renaissance élisabéthaine. En bois. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Citadelle Vauban, vous voyez, on essaie d'avoir un peu toutes les époques sur le serveur et on retourne sur une zone. Vous voyez là par exemple sur définition, là c'est pas la zone qu'on fait aujourd'hui, mais là un mur végétal ça serait vraiment très cool et ça nous prendrait pas beaucoup de temps Je pour sais plus où il est ce petit théâtre, ma foi fort sympathique. Il y a je tellement le quartier médiéval, pareil, il est pas très grand, mais on s'y perd vite. Notamment grâce aux efforts des mois derniers où on avait complètement retaffé dessus. Il faudrait que j'en fasse un live ou deux quand on parlera, parce qu'il reste des zones à finir, dans des intérieurs surtout, mais c'est l'occasion de parler de l'architecture médiévale, comme là le temps a un peu coulé, les gens pourraient se réapproprier la chose. Et là voilà ce petit théâtre, je suis arrivé dessus, Drac. Le théâtre aux colonnes de marbre rose. C'est comme ça qu'on l'avait appelé. Ouais.
Non, qu'avait gagné. Voilà. Théâtre très ancien, Qu'on s'était inspiré amusé à faire. de Shakespeare, le Globe Theatre de Très, Shakespeare. très, très cool. Très, très cool ce théâtre. Vraiment à échelle réelle en plus, hein. On voit par rapport à d'autres bâtiments médiévaux à côté qui sont beaucoup plus grands. Merci. Y a des bâtiments à côté qui font vraiment médiéval Minecraft plus que vraiment médiéval en fait. Ouais, mais il faut un peu que tout cohabite. Nous, on est là pour. Ouais. Enfin, c'est bien de commencer avec des choses un peu Minecraft, et nous, on est là pour vous expliquer les petits détails pour faire plus crédible. Ouais, avec le petit théâtre. À côté, on a des maisons plus à échelle humaine déjà. Ouais, quand tu me dis, je suis assez content maintenant. Qui sont d'ailleurs pas vraiment médiévales, mais plus vénitiennes à moitié ou méditerranéennes. Ah, je sais pas définir ce style, tiens. Ici, devant toi, Renaissance. Ah, Tout minéral. Renaissance avec ses couleurs, j'aurais pas cru. C'est vrai qu'elles sont plus lisses. J'ai fait un bâtiment Renaissance, enfin, et c'est trop tard pour poser ça. J'en ai un qui est plus dans les couleurs Renaissance. Juste pour comparer. Ah tiens, on a toujours le trou de Chunk qu'on n'a jamais réparé. Ouais. Ici, tu es sur du Renaissance qui a la sobriété chromatique de l'époque. Après, c'était oui, c'était sobre à l'époque, la Renaissance. Pas au Moyen Âge, hein. La pierre était souvent peinte sur les cathédrales, etc. Mais merci Lookman pour ces compliments de. Magnifique Ah, mais compliment c'est sur le Ghost, serveur Lockman. et sur le live. C'est Ghost, je crois. Ah, c'est Ghost? Oui. Lockman, Jamal, c'est Ghost, il me semble. Ouais, ici j'ai un petit bâtiment Renaissance qui me plaît bien. Il est très très sobre, mais Oui. à mon avis, il raccorde très bien avec l'époque. Ah bah tiens, bah voilà, le voilà qui arrive. Ah, le retour de Ghost. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Ghost. Ouais, ça faisait un petit moment. Moi, je retourne à mes moutons, je retourne à mon build. T'es à la retraite de la construction, t'as trop construit. Ah non, mais il avait déjà à moitié arrêté Minecraft. Quand moi j'arrivais d'ailleurs, je suis arrivé, lui il est parti. Quand je suis arrivé, il était sur la villa du nord de l'île Liberté. Celle qui prend un tiers de l'île là. Motivé Ghost. Nous là on est sur un intérieur un peu rococo baroque, on est en train de le peaufiner. Participe au concours building, Ghost, si tu veux. Ah c'est vrai qu'en plus il en aurait toutes les capacités. Oh, carrément, il nous ferait une villa verticale. Une villa, mais au lieu d'être de s'étendre en largeur, elle s'étendrait en hauteur. Vous voyez, je mets un tout petit peu de lumière parce que sinon c'est vraiment invivable. Bah, si tu veux participer au concours, Ghost. En gros, oui. Faut faire un gratte-ciel et une place. Voilà, c'est déjà plus vivable. Bon, on a notre rez-de-chaussée. D'ailleurs, tant qu'on parle de ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces blocs de verre ici? Je dirais que non. Pense qu'on peut arrondir les angles ici. Oh, c'est marrant ça. C'est pas très utile, on va oublier.
Je préfère prévenir qu'il reste pas beaucoup de temps, par contre, vu qu'on est déjà mi-septembre presque. Alors après, il est trop tard pour prolonger les délais, mais. C'est un Parce que bon, vu architecte le nombre intransigeant. dérisoire de. Vu le nombre dérisoire de personnes qui participent. Mais non, il y a plein de Mais gens. honnêtement. Oui, il y a plein de gens, mais bon, pour l'instant, c'est une grosse battle entre Flo et moi, quoi, en fait. C'est Surtout. vrai. C'est vrai que s'il y a eu des concours, il y avait beaucoup de monde, mais la qualité des propositions, je la trouve de vraiment, vraiment, vraiment haute. Et vous voyez ce que je fais les gens là, c'est que je vais faire un appartement type. Et ensuite on va le copier-coller sans aucune forme de pitié pour gagner du temps. Ghost, si tu veux voir ce que je fais sur le concours, j'y suis. Mais moi, c'est qu'un plan pour l'instant. Le building, je l'ai à peine commencé. J'étais sur la place. En fait, puisqu'il y a la place et le building à faire pour l'instant. J'ai terminé que la place. Par contre, elle est complètement terminée. Aménagement fait, etc. On va prendre la méthode des feignants. On va prendre une couche comme ça. Et on va le stack. Voilà, impeccable. Mais d'ailleurs, C'est y a pas que toi et Flo sur le concours, non? bah si il y a Yorkies mais il a commencé il y a pas longtemps, il y avait Vlo mais il s'est pas reconnecté depuis un moment et il y a Kyotas qui s'est connecté juste le premier jour en fait, après il est parti. Et à Nantes. Nantiz il a pas participé encore, il me semble. Ah oui, c'est vrai qu'il a commencé une tour énorme. Il va être très cool fini, je Oui, pense. Nantis, lui, c'était sur l'île Liberté qu'il voulait faire un hôtel. Ouais, il a commencé. Il en a encore pour plusieurs mois, a priori, d'après ce qu'il m'a Si dit. tu vois quelque chose avec C'est plein une de loser. triangles, Ghost, c'est sûrement celui de Flo. Ouais, est-ce qu'il est parti dans un truc énorme. En plus, à Nantes, il fait des choses très détaillées avec beaucoup de textures, de registres différents. Il fait penser à Undervasser, qui est un architecte que je voulais présenter sur le serveur aussi. Il y a tout ce À qui Nantes, est. ouais, il est entre l'art nouveau Bah, il est très entre et l'art l'éclectisme et version moderne. contemporaine, quoi. Et aussi le Ouais. postmodernisme. Enfin, c'est très intéressant. C'est vrai, il reste 2 semaines, normal que ça tâte. Hein. Peut-être que Etrota va prolonger les délais, mais bon. C'est une grève. Je suis pas sûr. Prolonger les délais. Non. Bah, ce serait bien, comme ça me. Flo, ça lui permettrait peut-être de vérifier s'il peut pas rajouter des choses et tout, parce que bon, il a été plutôt vite. Hein. Et puis moi, ça permettrait d'avoir un peu plus de temps pour respirer et faire ma tour correctement, parce que là, bon, j'ai un petit peu pris du retard avec ma pause de jeu de 2 semaines, vu que j'avais ma rentrée et puis d'autres trucs à préparer à côté. Comme un projet qui devrait pas tarder d'ailleurs, sur un autre jeu. Alors. Je pense avoir deviné le jeu. Ah oui?
Ah bah oui, logique. J'y ai joué il y a 2 semaines lors du dernier vocal avec Exactement. Etrota. Et voilà, No Man's Sky. Exactement. Je pense que je vais lancer un event de construction de ville. Vu que maintenant le jeu est assez mis à jour pour qu'on puisse est assez stable pour qu'on puisse faire des bases de joueurs absolument énormes. Donc à voir. Ce sera un gros projet, et il me faudra des mois pour organiser ça. C'est vrai Merci. qu'il est bien, il est stable le jeu en plus. Coucou. Coucou. Coucou Ghost. Coucou. Alors, comment je vais faire ça? Ça va les gars? Comment ça va? Le Ça va bien. public, est-ce que vous êtes Non. chaud? Ouais. C'est sympa là ce que vous avez fait. Vachement cool. Bon, attends, t'en as raté des choses en quelques mois quand même. Moi, je j'imagine. Il y a des trucs à voir sur le serveur ces derniers temps. Ah, j'imagine bien, ouais. En même temps, je suis tellement là souvent que. Speed 1, allez, c'est parti. On va essayer de faire un petit build là, mais. Allez, chaud. Moi, je vois que vous êtes tous partis un petit peu sur des bases. Enfin, surtout Flo. Il est parti Petite info. sur une. Alors, hop, le saut automatique s'est désactivé. Petite info vite fait, des prédispositions, en tout cas la place est ici, le building de l'autre côté. Après tu fais comme tu veux. Ouais, Par la contre, place, c'est ici. la place elle est ouais, du côté Amsterdam et le building de l'autre côté. Après tu fais comme tu veux, hein. Flo il a carrément décidé de faire 3 tours lui. Alors bon. Il a pris des libertés. Moi j'ai fait classique. Moi, je vais plutôt Bon. partir sur une base circulaire, hein, voyez-vous. Oh, ça peut être intéressant, base circulaire. Le carré, le rond, le T'as vu triangle. les petits tutos qu'a sorti Trotta ces derniers jours là? C'est. Ouais, c'est cool, il est actif de ouf. Ah ouais. Ouais. Moi aussi sur ma chaîne, je suis en train de faire des vidéos sur le buildingue. C'est le buildingue. Ouais, le buildingue. Par contre, est-ce que ça fait partie de la parcelle? Oui, ok. Alors, ça veut dire que ça, je vais l'utiliser à mon escient et je vais même le modifier. Ouais, tu peux modifier plein de choses. Le lycée privé, a priori, l'énorme building qui est, enfin l'énorme bâtiment qui est derrière, on ne doit pas y toucher. De ce que m'a dit Flo, donc bon. Parce qu'à la base, je voulais faire une piscine publique en dessous. Voilà. Sous un lycée privé, tout va bien. Ok. Je m'en rappelle plus déjà comment on fait le slash slash enfin, pour faire plusieurs sections. Ah, je sais même pas non plus. C'est Je fais une slash slash sélection par une sélection. slash slash celle convexe. M'en rappelle plus. Je suis devenu mauvais. En cas. Ok. Bon, moi par contre, je vais en avoir besoin, donc. Sur l'immeuble baroque Cyrano. Ouais, là je suis en train de faire une petite salle de bain plus contemporaine. Ouais, j'irai voir après. Désolé, du coup, j'ai pas du tout déco intérieur là pour l'instant. Hop. Je suis quand même assez fier de ma salle de bain. Sauf quand ça fuit.
Ouais, bon bah moi je vais devoir y aller. Ok, bah une prochaine, Drake, et merci pour ton aide. Ma fonction de modérateur sur l'autre serveur sur lequel je suis m'en oblige. C'est quoi ton serveur? Je suis sur un autre serveur de build et de RP assez sympathique. Qui est uniquement sur Bedrock. Sur ce, bonne soirée. Bonne soirée. Bisous. Et du coup, toi, tu reprends la chaîne, c'est ça? Non, on la partage avec Etrota. Enfin, je fais quelques lives de temps en temps. D'ailleurs, à la base, il y avait aussi potentiellement des lives d'autres membres qui étaient envisagés, mais ça s'est pas fait. Enfin, c'est pas encore fait. C'est-à-dire avec d'autres membres. Peut-être Rome, peut-être les urbanistes pour parler d'autres choses. L'idée, c'est d'animer à plusieurs le serveur pour les idées ou les choses qu'on peut faire. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé ma commande. Alors maintenant qu'on a bien fait cette tranche de bâtiment, ce qu'on va compter c'est la hauteur du plafond dessus, soit 4 blocs. Donc on va prendre la tranche en entier, hop, mais on va descendre que de 4. Normalement, si on prend là, il n'y aura pas de problème. Je pense que là on peut faire un stack 2. Et normalement, si j'ai bien pris les éléments où il fallait, voilà. Les choses devraient tomber comme ça, juste enfin, bien que en fait, pas du tout, parce que j'ai oublié de prendre le plafond, c'est ça mon erreur. Abîmer les routes à Rome, il va me tuer. On peut les modifier les routes, hein, tant que ça s'inscrit bien dans le réseau. Et ici, ça écrase un petit peu la tête, donc on va faire ça. Là aussi, pas trop la forme. Ah, là par contre, j'ai fait une grosse bêtise.
on n'a plus qu'à recommencer la manœuvre. La manœuvre. Hop, hop, hop. Et... Hop, un espace de fée. Et du coup, Etreta, il arrive tous les combien de temps maintenant? À ce moment, il est en vacances. Mais sinon, deux fois par semaine. Vu que t'as repris les affaires? Non, non, que deux fois par semaine. Enfin, comme toujours, d'ailleurs. Ça n'a pas changé. Oui, c'est toujours ça, mais... T'as repris les affaires. Bah là, pendant les vacances, oui, j'en fais un petit peu plus, mais sinon ça peut arriver n'importe quand, donc on est à plutôt 3-4 lives par semaine maintenant. D'accord. Hop, normalement, si je prends tout ça, je fais une copie ici. Et je colle là. Voilà, ça devrait être bon. Et on pourra faire la même chose juste ici. Et on pourra faire la même chose. Juste là, normalement. Ah, ici, petit problème. Est-ce que ça a abîmé en dessous? Non, bizarrement, ça n'a pas abîmé en dessous. Ah, j'ai du mal à me positionner alors. Voilà. Hop, si, évidemment, faut finir. Là, on est bon, et là, on est bon. Et ici, on avait déterminé qu'on faisait une ouverture plus grande. Plus grande dedans ou de bloc? Je pense que juste dedans, ça serait bien plus sympathique. Hop, on va regarder en bas comment c'est. On va faire la même chose ici. Juste d'un bloc parce que ça permet de dégager l'espace de circulation de l'escalier. Et ici l'éclairage on est bon, les fenêtres on est bon, là on finit la cloison, hop, câble, et ici la même chose. Et normalement si on se promène, il y a un nouveau pack qui est sorti pour les autres versions. Oui, il est sur le Discord dans le channel pack. D'accord. C'est Yurkis qui nous l'a développé. Ça change pas les blocs de base évidemment, hein, ça change surtout les nouveaux blocs. Justement, c'est ça qui m'intéresse. J'aimerais bien voir si comment installer sur téléphone. Je regarde si oui, mes murs sont toujours placés. Ah ouais, ici c'est ce que je me suis dit. J'avais mis plus avancé, mais au final c'est pas très heureux, donc on va le redéplacer vers l'arrière pour libérer l'espace de circulation. Pour que j'ai accès au nouveau bloc, faut que je me mette en 1.16 ou c'est bon? Une très bonne question, je ne saurais te dire. C'est quoi ton dernier bloc de la building block? De la rubrique building block? C'est 252. C'est pas du tout.
Je suis pas du tout, je t'avouerai. Merci. Pour mon exposé oral, je pense utiliser Minecraft. Ça peut être cool, ça parle de quoi? Ça parle d'un dossier de... En fait, c'est un dossier de réaménagement. Et je pense qu'ils vont kiffer si je leur montre du concret avec Minecraft. Je pense que ça peut les faire kiffer, les profs, tu vois. Bah écoute, ça serait super cool. Mode... Ils peuvent être en mode « Waouh ! Le gars a utilisé la technologie, quoi !» La DSL, le courant alternatif. Waouh, c'est beau. Et puis waouh. Ma dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne, GML World. Allez vous abonner. T'as sorti une vidéo sur quelle thématique? C'est sur Brawlhalla. Ah oui, je voulais jouer, mais paraît-il qu'il est très bugué. Ou oh, pas du tout. Bah tant mieux s'il n'est pas bugué. C'est qui t'a dit ça? Je sais pas, un pote, il m'a dit « Ah, c'est le jeu bugué et tout ». Peut-être qu'il n'a pas envie d'y jouer, mais... Ouais, je pense, ouais. Moi, j'ai eu aucun bug, en tout cas. Non, je pense pas qu'il ait dit pour ça, il m'a dit « Ouais, tel youtubeur a dit que c'était bugué ». C'est peut-être du mytho de la part ah, du oui, youtubeur. Hein. Pas du tout bugué, bro, là, là, franchement, non. C'est tout le temps de ta faute, c'est pas la faute du jeu. Hein. Je pense qu'il s'est mal informé. Du coup, il n'y a que deux gens qui participent au concours. Non, non, il y en a plus normalement. On est au moins 3-4. Mais à fond dessus, en mode qui essaie de se... investir vraiment beaucoup, il y a un peu le duel le Drac. C'est pas faux. Pourquoi mes blocs n'apparaissent pas? Ah, c'est bon, ils sont en train de s'actualiser. Tu fais du gros World Edit là? Moi? Ouais. Non, non, je reste sur des choses légères. Pourquoi? T'as des problèmes de. D'affichage. C'est en chantier, mec. Là, on a un espace sous comble vraiment réduit, vraiment restreint. L'espace pour construire des bâtiments? Non, je parle de le bâtiment dans lequel je suis. L'étage tout en haut sous les combles est vraiment vraiment très très tassé. Là en plus c'est la cheminée donc on ne peut pas enlever. Je parle un peu, j'explique un peu pourquoi c'est compliqué de l'aménager. Donc je pense que la meilleure solution c'est de décaler la porte. Voilà, juste ici. Et ici aussi. Et là, ouais, on a des petites zones sous comble. À l'époque, c'était les appartements les moins appréciés qui étaient réservés au personnel. Je pense que clairement, ils sont ici et ici. Au moins, il y a une fenêtre. Et de l'autre côté, je pense que oui, on a aussi une fenêtre. Ici, des blocs pleins.
Voilà. Et nous allons pouvoir ajouter un four pour que si un jour il y a un aménagement, au moins les gens puissent se chauffer. Mettre juste ici relié au mur. On n'oublie pas l'éclairage. Même s'il y a des lanternes, ça va être compliqué. Donc je pense que le plus simple, comme on a un plafond si bas, ça sera de mettre des torches. Ok. Moi, mes blocs, ils sont toujours pas actualisés. Je déconnecte et je reconnecte. Hein. Un truc très simple aussi pour faire des têtes d'escalier, c'est voilà un petit pot de fleurs sur un muret, ça fait bien son effet. Même le répéter à chaque étage. Je vais partir plutôt sur l'ascension toute bête et on peut mettre ça à... Et ici, il faut pas que j'oublie non plus. Voilà. Je vais mettre une lanterne et j'essaie d'aligner sur les portes et au milieu de la vitre. Pour donner du sens à ce que je suis en train de faire. On va descendre, on va faire la même chose. On est toujours en train de donner de l'ambiance, voilà, de peaufiner un peu les choses, qu'elles soient intéressantes à visiter. Même chose, juste ici. Et nous ajoutons un pot de fleurs. Même chose là. Voilà, et maintenant on a un bâtiment au moins aménagé. Il n'est pas décoré, mais il est habitable. Salut Nantis. On peut changer des petits détails comme ici, mettre un four. Tu mets pas ta cam toi sur les lives? Non. Bon, ça m'intéresse pas trop. Pourquoi? J'aurais bien voulu avoir une animation faciale. Oh, mais ça se... Un jour, promis. Et du coup, tu savais pas quel était mon prénom et mon nom? Ah bah non, je connais pas par cœur les blases de tout le monde. Non, mais parce que je suis quand même un très très ancien de ce serveur. J'ai... Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est pas supprimé ce machin là? ça lâche une dos. Ah si, c'est bon. C'est bien ça, je me suis déco et reco et ça c'est vraiment des... Enfin, ça semble bien. Slash, ici. Voilà. Là, je peux me déco. Vous voyez là, pour réussir à mettre un petit peu de texture sur la façade, on va prendre une petite astuce, on va juste poser des panneaux. Très minimaliste, mais fait le travail. Et on va quand même texturer un tout peu plus avec ce bloc-ci. Ok. Ok, bah je pense que je vais te rejoindre après. N'oublie pas l'équipement pour que la lumière là. Hop, on va peaufiner ça.
On va prendre cet élément là. Et je pense qu'on peut le stack 10, c'est pas mal. Ouais, impeccable, c'est la hauteur qu'on a. Voilà, comme ça on a ces ouvertures en plus. Je les trouve un petit peu trop sur le... Je me demande si je peux pas rajouter ça pour moduler les choses. C'est assez marrant. Il faudrait que je trouve la trappe qui correspond le mieux à cet exercice. Là, je pense que quelque chose d'un petit peu décoré comme ça. C'est intéressant. Même laisser les deux types de trappes. Est-ce que tu veux donner un avis, Ghost, sur ce que je suis en train de faire? Eh ben écoute, j'arrive tout de suite. Sachant qu'on est dans un live de... J'appelais ça sublimer, finir. C'est, je prends un plot qui est déjà assez sympathique à regarder, et c'est des petits détails dans la rue ou dans les aménagements intérieurs qu'il faut que je suis en train de terminer aussi, ça fait partie du live, pour amener une belle création, c'est un truc joli. À être une belle proposition d'architecture, un lieu à visiter et à explorer. Écoute, on va voir ça tout de suite si c'est joli ou pas. Alors, slash tp Cyrano. Alors, qu'est-ce que tu as modifié? Tout l'îlot est en phase de finition, et là je vais m'occuper des intérieurs de ce bâtiment-ci. En tout cas, c'est vachement chouette comme quartier. Bah écoute, c'est simple ce que t'as fait là. T'as fait un travail de mur, c'est ça? Avec ouais, la symétrie. Ouais. J'ai mis quelques fenêtres qui n'existaient pas pour que les appartements aient une lumière, parce que sinon ça bon, faisait à la vraiment. Rigueur, le truc qui me dérangerait un petit peu, c'est le mur, il est quand même fat et il n'y a pas de relief, tu vois. Il y a un truc qu'on peut changer. Attends, juste, c'est un petit truc. Ok, ça passe pas. J'ai tout niqué ton live, mec. Non, non. Ouais, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il est... Tu vois, ici, dans ces zones-là, ça paraît quand même assez fat. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah après, c'est assez réaliste, mais je comprends ta remarque. Après, ce qu'on peut faire, c'est... C'est vrai. Là déjà, ça me choque, moi, déjà. Ouais. Et puis ça serait réaliste parce qu'il faisait souvent ça, des choses un petit peu sculptées sur les côtés. Ah, mais t'as mis du sable. Ouais, j'ai changé un peu de matériaux. Ah, d'ailleurs, faut que je mette un bloc. Non, après, je mettrais bien le relief que sur les côtés pour faire. Ouais, c'est vrai que sur les côtés, c'est bon. C'est quoi que t'as mis? Ouais, c'est bon. Pour okay. Faire, écoute, je vais essayer de vous trouver des images. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait, mec. C'est super. Moi, je suis fan. Slash back. Pour moi. C'est intéressant ce que tu proposes. Merci. De rien. Je trouve plus un élément de vocabulaire. C'est par rapport à quoi? Tu sais, sur les maisons haussmanniennes, sur les façades haussmanniennes, parfois la pierre, elle est bien visible. Elle est bien sculptée, je trouve pas le terme. Ça te frustre? Oui, totalement. Parce que mon build, moi, il va pas tarder à s'arrêter tellement qu'il est nul à chier. Quoi? J'ai dit que le concours, il va s'arrêter très très vite pour moi, vu que mon build, il est nul à chier.
Bah, je sais pas, ça ressemble à quoi? Moi, je sais Ouais. pas, je suis parti un peu en live. J'ai voulu faire une base de roues. Bien sûr, le truc noir, ça va être du vert, hein. C'est juste pour me donner une idée. Et après, genre, j'aimerais bien encore ajouter du vert pour donner de la symétrie au bâtiment, quoi. Mais je sais pas si c'est la meilleure chose que j'ai faite. Et justement, pour ceux qui se demandaient, j'ai trouvé le terme, c'est les pierres dites en bossage. C'est notamment comme juste ici, quand vous avez, voilà, Ah, ok, ouais. elles sont taillées pour leur donner un relief supplémentaire, donc parfois triangle, parfois carré, et ça c'est typique de la... Du style haussmannien. Ouais, 19e surtout, ouais. Et c'est un peu ce que donne l'impression de ces escaliers que j'ai insérés dans la façade. C'est qu'il y a justement du redan qui a été fait. On découvre la vermiculture. Un différent bossage très très... voilà, typiquement, c'est ça le bossage le plus classique. Et souvent, on laisse un peu la pierre brute. Donc, c'est des dessins de Jeanne Viollet-le-Duc, là, ce qu'on a déjà parlé tout à l'heure. Hop, on peut repartir en jeu, fier d'un nouvel élément d'un vocabulaire, le bossage des pierres de façade et d'ornement. Hop. Bon, bah là, on est vraiment, vraiment sur la finition de la finition. On va pas meubler parce que c'est Ça va épuisant à être long. faire. Hein? Ça va être long. Ça va être long, oui, puis ça va être épuisant. Ce qu'on peut faire, par contre, pour faire des portes à échelle humaine, c'est une petite dalle mousse comme ça. De temps en temps. Voilà. Et là, sur ce coin-là, on a un bâtiment tout à fait exploitable. On va, donc quand je dis on va pas la meubler, mais on va passer au voisin. On en était où ici? J'ai dû récupérer une coquille vide et il me restait quelques éléments à monter. Hop, juste ici, voilà, normalement, on est bon. Ah, c'est tellement moche ce que j'ai fait. Ouais. On nous promet des choses et que ça soit pas moche au final. Hein. Moi, si on me dit que c'est moche, je veux pas être déçu. C'est un petit peu moche ou c'est très moche? Très. De l'ordre du je reprends le build. Là, pareil, ici, ça me plaît parce que maintenant, c'est habitable. Oh, il y a deux portes alors. Il y a une porte depuis la rue pour cet appartement-là, puis il y a le couloir commun qui très rapidement enchaîne sur l'étage. Là, c'est vrai qu'on peut faire un élément de rangement. Ici, je pense qu'un bloc plein, ça serait bien plus joli. On va mettre du ça pour changer un peu de matériau. Voilà. Et on arrive sur l'escalier. Escalier, tournant. Et normalement, il ne devrait pas trop mal tomber désormais.
Pareil, là, je mets de nouveau un mode d'aménagement. Hop. Hop, et normalement, les paliers, voilà, les paliers tombent à peu près juste. Et on a aussi, ouais, comme ici, on a les... On a racheté des... Par rapport à l'étage du... On a racheté des... Hop. Et on peut rajouter quelques lanternes. Vas-y, je continuerai plus tard, c'est bon. Ah, t'arraches kit? Ouais. Faut d'ailleurs que je finisse la maison que j'avais commencé. Enfin, même si au niveau où c'était même plus une maison, mais bon. Salut! Ah, quelqu'un de passe sur le live? Apparemment, c'est moi, c'est Drac. Ah, le retour de Drac. Salut. Alors du coup, cet ah, événement... C'est Drac au bloc. Ça a été... Bon. Il se trouve qu'un ami avait un problème avec une courbe. Quand on est sur un serveur qui a même pas World Edit, en plus, c'était compliqué. Oh, non. Je lui ai passé mon petit schéma pour faire des courbes à la main direct. Et bon, je crois qu'il est un peu découragé, le monsieur, parce qu'il a left the game juste après. Ah ouais, ça m'étonne même pas. Alors, est-ce que j'ai des devoirs à faire pour demain? Je vais le faire, je pense que je vais le faire tranquillement pendant la soirée pour lui. Histoire que ça le soulage un petit peu, qu'il puisse commencer sa ville. En gros, c'est une île flottante sur une ville circulaire. Enfin, je suis arrivé. Une île flottante circulaire avec une ville dessus. Dans l'idée, ce qu'il veut faire. C'est un dessert. Mais un cercle énorme. Vraiment un truc de genre 100 blocs de rayon quoi. Ah oui, effectivement, on va faire un cercle énorme comme ça sans outils. Ouais, donc heureusement j'ai les outils pour ça, je lui ai passé ce que j'avais. Je m'en suis servi pour la grande roue parce que les cercles World Edit sont pas très... Bah, tu peux pas les faire à la verticale disons, donc oui j'aurais pu faire un flip, mais bon. Ils sont pas aussi jolis que ceux qu'on peut trouver, direct comme ça. J'avais trouvé un petit schéma de cercle. J'avais publié dans discussion d'ailleurs à un moment, je pense, ce petit schéma de cercle. Ah oui, je l'avais repris aussi. Oui, je vois, c'est assez utile avec tous les diamètres les uns dans les autres. Ouais, c'est ça. Je m'en suis servi utile. Pour la grande roue. Je l'ai fini la grande roue ou pas d'ailleurs? Tiens, bonne question. Est-ce que j'ai un home à la grande roue? Home. Tu mets pas de musique sur ton live? Non, je pourrais. C'est vrai que j'aurais rajouté une petite musique comme être taffé, libre de droit. Madame Femme. Je peux la faire sinon la petite musique. Hein. Je sais pas chanter malheureusement. Ok, alors. Je m'échauffe la voix. Bababi bobu, bababi bobu. La 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 la. Voilà, c'était la fin de la musique sur mon live. Non, ça c'était juste l'échauffement. Ah, y'a pire après. Là, c'était juste l'échauffement, là on passe à la musique. Alors, comment dire que, en fait, je pense que vous êtes trop doué. Voilà, on peut pas comprendre. Donc, d'accord. Ça serait vraiment dommage de donner vos talents comme ça à des gens qui ne vous comprennent pas. Gardez-le pour vous. Voilà. D'accord. Bah, écoute, merci. Et tu peux me tutoyer. Je pense que Luc Besson viendra pour le cinquième élément 2 hein, te prendre. Mais bon, il va faire un cinquième élément 2, ce serait tellement drôle. Pour faire le rôle de la diva. Ah oui, c'est vrai, mais elle était trop cool cette scène. Bon, je trouve plus mon home, ça m'énerve. Ouais, il me dit plus que mon... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais parce que j'ai un... Ok, j'ai compris. Tiens. Pourquoi Ghost est parti?
Ah, Shadowlo aimerait revenir dans le live. Shadowlo qui veut revenir. Ah bah voilà mon home illiberté. Pourquoi je l'avais perdu? Là mon home. Bon, j'aimerais bien trouver ma grande roue en fait. Faut que je lui fasse un home parce que sinon je vais pas y arriver. Puis plus bête, j'avais un home plus près en plus. Re Shadowlo. Ah oui, donc c'est ça le volcan de l'île Liberté du coup. On me disait qu'il y avait un volcan. Oui, il y a de la prismarine. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a de la prismarine. Tout va bien. Home. Parce que oui, si quelqu'un a une idée pour designer une cabine pour une grande roue, je veux bien en fait. Des portes. Parce que je suis coincé un petit peu sur cette cabine de grande roue. Moi, je dirais des portes. Marche pas. Tu dois être new, Shadowlo, ou alors t'as le même bug que moi j'ai eu il y a quelques semaines. Ou alors t'as pas de co, tout simplement. Ça va arriver. Je trouve pas ma grande roue. Ah, quand même. Ma petite grande roue. Bon, je suis toujours coincé au même niveau. Faut que je trouve un design pour mes cabines, quoi, absolument. T'as des choses à redire sur cette grande roue, Cyrano, ou pas? Ouais, je vais finir le live là-dessus. Ouais, et aussi voir, parce que oui, on avait un projet, il me semble, sur cette île que tu voulais faire. Oh oui, mais j'ai trop de projets. Peut-être un jour quand j'aurai du je temps. Sais. Je sais, va falloir qu'on en finisse quelques-uns avant de s'attaquer à celui-là, parce qu'on en a pour un petit moment. Ouais, c'est le restaurant un peu ambiance japonaise que tu voulais faire sur cette île. Ouais, je voulais faire des petits restaurants de plage dans des bungalows. Ils font ça au Japon, dans des quartiers où c'est... Enfin, Ouais, c'est voilà. fabriqué avec pas grand-chose et c'est assez dense. Et il y a souvent des Et tu bars... voudrais faire ça sur cette île à côté du petit parc d'attractions que j'ai installé du coup. Tout à fait, mais je vais faire un petit épée. Pour le phare, je vais un petit peu retaper le roi. Mais bon. Les autres pas ce zones que du je vais y faire serveur. en fait. Le carrousel est très cool. C'est nouveau ça? Alors c'est Hérisson qui l'avait fait à l'origine et je l'ai repimé pour 1.16. Ok. Mais c'est pas moi qui l'ai fait, je préfère préciser. Ok. Il est quand même super. Mais je l'ai repimé, pardon, qu'il ressemble un peu moins à l'original. Tu pourras retrouver l'original à l'île Liberté si tu veux. Ok. Il y a encore. Mais moi je l'ai un peu repimé, retouché quelques couleurs, etc. Il Parce est que je ne cool. savais pas faire de manège. Et donc la grande roue, bah, je suis coincé, je sais pas faire des nacelles, moi. Il n'y a pas de bonne manière, hein, mais Il n'y a qu'une manière de faire une bonne nacelle. sachant que t'as vu, j'avais fait même les guichets et les trucs d'entrée juste avant. Donc il n'y a plus qu'à faire les nacelles en fait et à rajouter un peu d'éclairage et puis la grande roue sera finie finalement. Je regarde un peu la Enfin si, je largeur. reterraforme un tout petit peu l'île pour te permettre à toi plus tard lors d'un futur live peut-être de faire cette fameuse zone de restaurant. Ouais, ça serait cool. On a encore la place normalement si tout va bien. Ouais, je vois. Ouais. Ouais, dans la zone RB, ça me pourrait tout à fait me convenir. La grande Ouais, roue, parce que moi j'ai touché qu'au sable. Hein. je la trouve un peu proche par contre. Le carrousel de la grande roue. Oui, Mettrait mais plus bon. d'espace autour.
Ouais, enfin bon. Carrousel et grande roue sont ensemble parce que bon, il y aura pas beaucoup de personnes au à cette grande roue là. À mon avis, le parc d'attractions qui va le plus attirer, c'est celui de Maï aux Arites. Là, c'était juste pour dire voilà, Newesia a une grande roue. C'est un petit symbole de la ville, mais bon, est-ce que tout le monde va y monter parce qu'il y aura beaucoup de monde, je sais pas. Par contre, c'est une grande roue permanente, ça veut dire qu'elle bougera pas de place. Elle est bien arrimée au sol. Ouais, elle est arrimée au sol, ouais. Je devrais même encore rajouter des poteaux. En plus, pour soutenir les poteaux déjà existants. Parce que là, il n'y en a que 4, ils me paraissent un peu fins. Maintenant que je les regarde. Bon, donc peut-être rajouter des petits poteaux en plus. Alors après, c'est soutenu sur une grosse dalle en béton en dessous. Hein. Ça devrait aller, mais bon. On n'est jamais sûr de rien, donc je vais rajouter des poteaux. Peut-être une plateforme supplémentaire. Tu la veux ouverte ou pas là, ta nacelle de. C'est comme tu veux, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Parce que tu as décidé de me la faire du coup. Ah c'est oui, ça. Oh, sympa. Je pourrais peut-être le faire ouvert d'ailleurs. Tu la trouves cool? Waouh, wow, oui, d'accord. C'est buggé, mais c'est fun. Alors, c'est pas buggé. Ouais, c'est pas buggé, c'est normal. C'est bon. Tout va bien. C'est original comme forme de nacelle. Le bruit des beacons. Le bruit c'est... du beacon, on pourrait en faire de l'ASMR. Hein. Ouais. Ah. Tellement flippant ce truc. Ah, j'aime bien la forme de la nacelle en vrai. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de blocs en vrai. On peut même faire de mieux, c'est ça. Et voilà, maintenant c'est ouvert. On pourra installer une petite balustrade pour monter, etc. Oh, et après tu mets du verre au milieu, c'est ça? Enfin, des petites barrières. Ah, j'ai une meilleure idée que la lanterne. Barrière en verre. Spain. Genre ça. Ah, what? Oh. Elle marche encore les portes? What the? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu les vois invisibles comme moi? Non, moi je les vois, mais je peux les ouvrir et les fermer. Mais elles se déconnectent plus, ce qui est assez bizarre. Parce que moi je les vois plus en fait. Bon, peut-être que je passe un déco-reco. En fait, je me suis dit, oh, je vais peut-être mettre une barrière en verre ici, comme ça on voit bien et tout. Oui, peut-être pas une bonne idée s'il y a des portes à la place. Toi, tu vois des portes. Ouais. Sinon, attends. Pourquoi je mets j'ai pas un ça bug visuel. J'ai un petit bug visuel. Non, mais je suis en train de. Des coureco. Je suis en train de me dire que c'est ridicule parce que, quitte à faire ça, autant mettre des. Ouais, ce que je disais, il y a un des côtés où ce serait peut-être intéressant des petites barrières en verre pour qu'on puisse voir avoir une petite vue panoramique. À voir après. Hein. À voir. Après, il va falloir que je réfléchisse à mon marché couvert et à mes circulations verticales pour ma tour. Ça va être intéressant. Ça va être ce soir, je pense, si je suis pas trop fatigué. Parce que mine de rien, j'ai encore 2 jours de travail. Alors, le bug est résolu, oui. Oh, j'aime bien le rouge, ça peut contraster avec le bleu. Ah, je voulais pas mettre de rouge. Mais
Parce que moi je vois rouge. Ah, du bleu, peut-être lapis lazuli. Attends. C'est la même texture mais en bleu, littéralement. Lapis lazuli. Regarde. Pour moi, là on est bon. En laissant comme ça? Ouais. Oui, pourquoi pas, carrément. Par contre, ce serait que la nacelle qui est tout en bas, du coup. Qui serait ouverte comme ça, les autres seraient fermées. Non, elles sont sécurisées, là, normalement. Il y a juste un... Bah, si les gens veulent... Il y a une entrée là, en fait. Du coup, hein? Tu peux tomber, là, quand même. Il y a une entrée là, du coup, tu peux tomber ici. Non, mais elle se ferme, en soi. Normalement, la porte, elle se ferme. Mais c'est juste que là, je l'ai mise ouverte, quoi. Ah. Ouais, ok, pas de problème. Ouais. Sinon, tu les mets... Attends, on fait ça. On en fait plusieurs types en fait. Bah, on... 90% seront fermés parce qu'elles seront en l'air et puis on aura une ou deux d'ouvertes. Ouais, c'est ça. Bah, les trois premières qui seront au niveau de l'estrade. Ça peut être cool après. Moi, je vais m'amuser à les paster, hein, écoute. Après, il y a pas. On pourrait mettre un escalier, mais. Au moins, on aura participé, enfin, t'auras participé un peu à la grande roue, parce que c'est quand même une île que tu voulais faire à la base. Ouais, mais j'ai un peu changé de quartier. Oui, c'est ça. Puis du coup, c'est moi qui ai repris à l'air. Quand tu m'avais demandé d'aider un peu à ta tour à l'époque, bah, du coup, je me suis installé sur l'île. J'ai fait mes trucs. Ah oui, il y a ça aussi, c'est pas mal. Je me demande comment tu fais pour placer les trappes en fer sans avoir à mettre de la redstone. Ben, je la mets, mais après je la coupe. Mm-hmm. Et je peux faire ça aussi, sinon. Ah oui, pas mal. Ça peut être intéressant. Voilà, un truc comme ça. Il y a un problème, on va juste être coincé en fait là maintenant. Non, t'as la petite trappe là. Oh, excellent! Oui! Ah, oh, j'adore. Ah, ouais, là il y a une entrée, ça marche hyper bien. J'aime bien le design moderne en plus. Je vais mettre un escalier de l'autre côté si tu veux, mais je trouve que d'un côté c'est cool aussi. Ah, oh, c'est bien là. On les porte limite, mais limite, c'est pas gênant. Ah, oh, puis surtout, oublie pas, on met une petite chaîne pour le suspense, ça va être tellement plus joli. Oui, oui, ça, oui, évidemment. Ouais. Ou alors, plus moderne encore, tu mets une tige d'acier. Oui, pour faire de la lumière aussi, ça peut être marrant. Que je te conseille à la fin pour faire genre, tu sais, il y a souvent un axe pour ça. Ah oui, une meule au-dessus, ouais. Je mettrais même comme ça, moi. Voilà. Oui, exactement. Ouais. Je vois ce que tu veux montrer. Ok. Et je pense même qu'on peut faire un move 1, sinon ça fait trop. Je vais prendre mon bloc de fer. Iron. Eh, hey, vite torcher la petite nacelle, hein. Ouais, c'est cool, elle a un beau design. Puis ce qui est bien, c'est que comme il y a la gravité, t'as pas besoin de t'embêter à les faire sous tous les axes. Ça pend toujours vers le bas. Il y a des manèges, ouais. Si tu fais une place assise en l'air, faut qu'elle soit construite à l'envers, quoi. Ça va super bien marcher. Ok, alors du coup. Est-ce qu'on a une belle vue depuis mes appartements? Oui, j'ai déjà regardé, oui. T'as une très belle vue. Après la render distance, c'est vrai que c'est dommage, mais. Non, ça marche bien sur live, regarde. Je suis en train de me promener, puis. Ouais, on voit la grande roue au loin, puis bientôt quand l'île sera finie, ce sera encore plus cool. Pose 1. Faut surtout pas appuyer sur les portes.
Et pose 2, pose 2, pose 2. Tac. Voilà, pose 2. Maintenant, je vais faire copie. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça que les cabines se maintiennent toujours vers le bas, malgré que la roue tourne. Le poids, c'est grâce au rotor qui est en dessous, en fait. Ils sont simplement sur un axe. Ouais, du coup, d'accord. Ça, j'arrivais pas à comprendre, en fait. C'est pour ça que j'étais un peu bloqué au niveau des nacelles. Je n'arrivais pas à comprendre comment les nacelles pouvaient toujours se maintenir vers le bas. Ah, c'est la green, moi, c'était c'est pas possible. La greenstone. En fait, en plus, elle va se mettre à tourner autour de l'axe en métal à la fin. Enfin, tout l'axe tourne, en fait. Du coup, oui, j'ai fait quoi? J'ai fait mes deux pauses, oui. Maintenant, il faut que je fasse copie. Copie. Hop. Voilà. Puis on va aller faire notre premier paste à la cabine qui est tout en bas, là. Ici. Si tout se passe bien, normalement. Hop. Paste moins A. Et donc là... ok, il faut que je délite un peu le sol de ce côté. Alors évidemment, je vais faire undo et puis on va déliter le sol avant, en fait. J'étais quand même vachement vénère avec ma tour. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas gênant nécessairement. Non, il reste possible, mais on est au maximum du jeu, quoi. On est au maximum du maximum, je crois, ouais. On est vraiment au maxi de chez Maxi. Ouais, c'est ça. C'est identique mon histoire ou pas? Non, pas du tout. Ok. Du coup, on décale en d'un bloc. Ok. Il faudra de la smooth stone en plus. Hop, smooth stone slab. En espérant que ça ne tape pas trop dans le. Dans le délire. Et aussi de la smooth stone standard. Et donc normalement, ça devrait être correct. Ça devrait pas trop toucher normalement. Ça devrait être bon. Bon, bah, je pense que sur ce, ça va être la fin du live, les amis. Merci d'avoir suivi le live. Si vous voulez rejoindre le serveur, bah, vous êtes les bienvenus. C'est le but de ces lives et de la communauté. Oui. Que ce soit pour faire des grandes roues ou des créations à la drac ou des choses plus... on va dire plus modeste, mais il n'y a pas de mauvaise façon de venir participer sur le serveur. Donc je vais refaire mes pastes. Alors passe-moi ici. Est-ce que la cabine c'est bien placée? Ah oui, elle est super bien placée, nickel. Juste un problème. Ah, évidemment, toujours. Je vais arriver sur la première cabine, je vais y arriver. Sauf que c'est juste la première qui gêne parce qu'en fait, je suis au niveau du sol. Une fois que j'aurai réglé le problème, ce sera un peu mieux. Hop.
Hop. Et bien voilà, ça, c'est la fin du live. Et puis, à une prochaine fois sur un prochain live sur le serveur de Nuezia et sur la communauté de avec l'architecture ludique. Au revoir. Prochaine.